Il fait déjà jour. Oui, il est l'heure d'aller me coucher. Tu es encore debout? Bonjour. Bonjour les jeunes. Ah, vous savez, j'ai fait une découverte extraordinaire cette nuit. Raconte-nous ce que tu as découvert, hein? Ah, j'aime mieux ne pas en parler tout de suite. J'attends que tout soit au point. J'ai encore du travail pour que cette découverte soit prête. Sachez cependant qu'elle bouleversera le monde. Oh, allez, dis-nous ce que c'est, hein? Non, je t'ai déjà dit. Je n'en parlerai à personne avant d'avoir terminé. Tu en as pour longtemps? Il faudra le temps qu'il me faudra. Oh, allons-nous-en. Oui, ce n'est sûrement pas important s'il ne veut pas en parler. Au contraire, c'est extraordinaire, mais je n'en dirai pas plus. Le hibou est têtu. Allons manger. Malotru! Tu viens, Simba, j'ai faim. Oh, les jeunes. Maintenant, au lit. Attends, il y a une bonne odeur. Quoi? Le lapin. Il est pas loin. Oh, laisse-le tranquille, ne le chasse pas. Il est passé par ici, je le sens. Oh! Il est là. Ah, c'est bon. Sauve-toi, lapin! Un jour tu seras fort mais jamais intelligent. Ça non, tu ne m'attraperas jamais. T'as été sauvé par ce traître de Bimbo. Bimbo est mon ami. Salut. Je t'aurais... Je te croyais mon ami et tu m'as trahi, je te déteste. Quand j'aurai repris mon souffle, tu me le paieras cher. Laisse le lapin tranquille. Ou tu peux fuir, tu m'échapperas pas. Odd Malraux, tu m'entends? C'est moi le canari. Es-tu blessé, Odd Malraux?
aller chercher Olek. J'ai la tête qui tourne. Oh, le pauvre. Mon élixir est sauvé. Mon élixir est sauvé. Hourra! Hourra! Mon élixir! Mon élixir! Il est sauvé. Hourra! Hourra! Ah, cher Olek! Que s'est-il passé? Rien, puisque mon élixir est sauvé. Oh, mais qu'est-ce qui te prend? Raconte-moi! Et l'explosion? L'expérience ratée, mais j'ai sauvé le principal. Je vais nettoyer ton plumage. Oui, je te remercie. Aïe, ça brûle. Désolé, si je m'en suis tiré à bon compte. Dis-nous, Olek, est-ce que le professeur va bien? Mais oui. Je n'ai pas perdu une plume. Je vais rentrer si tu n'as plus besoin de moi. Ne t'inquiète pas pour moi, j'ai mon élixir. Tant mieux, mais quel est cet élixir? C'est une découverte extraordinaire, dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Vous le connaissez, le hibou aime bien se faire prier. Enfin, soyez rassurés, Odnalro va très bien. C'est à cause de son invention que tout a sauté? Mais non, mes petits, mais à cause d'une expérience sans importance. Et ton invention alors? Ici, dans la fiole que je tiens, c'est une découverte géniale. Il faut que je rapporte ça à Shere Khan. J'espère que ton invention n'est pas dangereuse. Tu m'as réveillé. Oui, excuse-moi, je t'apporte des nouvelles. J'espère pour toi que ce sont des nouvelles sérieuses. Oui, le hibou a fait une découverte extraordinaire. Hein? Il faut qu'on arrive à s'en emparer. C'est quoi comme découverte? J'en sais rien, je me suis pas trop approché, j'avais peur qu'il me... Imbécile! Va voir les singes et dis-leur que je veux tout savoir sur cette découverte. Oui, oui, maître, j'y cours. Je me demande si on l'a que chez elle. Allez, réveille-toi, Excel, il fait jour. On pourrait chercher un autre trésor, hein? Plus tard, recouche-toi un peu, il est tôt. Je peux pas dormir, je pense à notre trésor. On l'a trouvé, c'est le trésor qu'on attendait. Hein, quoi? Où ça? Où il est? Oh. Eh ben... J'en rêvais, c'était un rêve. Il n'a pas voulu nous parler de son invention et pourtant il en est fier. Il s'est contenté de dire « c'est une invention extraordinaire ». Odnalro est quand même génial. Une découverte? Ah bon? Odnalro a fait une découverte. Faut voir. Ah oui, c'est peut-être un trésor. Ou une invention. Qui pourrait rapporter gros? Allons chez le hibou. Je suis heureux. J'ai trouvé le filtre de l'invisibilité. Oh, mon grand-père a dirigé ses recherches dans ce but toute sa vie durant. Où vais-je le ranger? Oui, c'est le meilleur endroit. Tim, dis-moi ce qu'il fait. Il est couché. Mais je ne sais pas où il a rangé sa fiole. Oh. Chut.
bien vu. Une fiole qui contient un filtre d'invisibilité. Tu te rends compte si c'est vrai? On attend qu'il sorte de chez lui. Viens par là. Vous devez la voler. Ce sont les ordres du grand maître. Hein, facile à dire, mais comment entrer chez lui, Bou, sans être vu? Je veux pas le savoir. Tous ses amis doivent surveiller son logis. La formule à n'importe quel prix. Il nous faut un plan. Mais oui, ça y est, j'ai un plan. Vous allez attendre qu'il sorte de chez lui pour aller fouiller. Allez! Bonne idée! On y va! Il bouge toujours pas. Oh, ça y est, il se lève. Oh, j'ai bien dormi. Je vais sortir. Il faut que j'aille cueillir des herbes pour mes expériences. Ah, tout est tranquille. J'y vais. Viens vite, il est parti. Ouais. Ça y est, surveille si lui ne revient pas. Ils sont malins, les rongeurs nous ont devancés. T'inquiète, on les attendra à la sortie. Ben c'est vrai ça, ils font le boulot pour nous. Ouais. Puis on les attrapera. Dépêche-toi, s'il revient et qu'on est encore ici, il nous bouffe. Ouais. Alors tu trouves? Oh mais dépêche-toi. Il y en a des bouquins, hein. Je veux bien monter la garde, mais dépêche-toi. C'est bon? Peut-être ici. Ah non. Hein? Où là? Où? Non. Attention! T'es toujours aussi maladroit. Je ne sais pas ce qui se passe là-dedans, mais ils ont l'air de travailler dur. J'ai eu chaud. Ce sera une bonne cachette là-haut. T'as enfin trouvé quelque chose ou pas? Non, rien. Ils ont dû trouver quelque chose, viens. Oui. Qu'est-ce que tu bois? Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, c'était bon. T'es cinglé, on boit pas n'importe quoi. Qu'est-ce que vous me racontez comme bobard? Expliquez-vous. Il n'y avait personne sous les vêtements qui avançait vers mais nous. Avez-vous trouvé l'invention, hein? Nous, quand on a vu un automobile et sortir de chez... Retournez-y tout de suite et ramenez la formule. Si le grand maître apprenait ça, il vous dévorerait. Elle va voir. Ouais. Je monte la garde.
Voyons voir. Et j'en veux aussi. Aïe. Égoïste. On a bu un liquide bleu. Et maintenant on ne peut plus rester au sol, on va... Attendez. Là, je vais vous tirer vers le bas. Qu'est-ce que c'est? Mon élixir, on me l'a volé. Et la potion. Quelle catastrophe! Ils sont sortis par le toit. On a entendu un grand bruit, on a vu de la fumée. Vraiment? J'espère que ce n'est pas grave. Non, ça lui arrive souvent. La dernière fois, il a perdu quelques plumes. Emmène-nous chez Onalro. Vous avez envie de voir le désastre, alors d'accord, allons-y. Bonjour, mon vieux. Comment ça va? Oh, ça ne va pas du tout. On a saccagé mon laboratoire et volé mon invention. Mais qui a pu faire ça? Je n'en sais encore rien. Nous allons t'aider à chercher le coupable. Nous finirons bien par le trouver. Il faut s'entraider. Moi, j'ai déjà une idée sur la façon dont nous allons nous y prendre. Nous allons prévenir tous nos amis que nous cherchons un voleur. Le Jean, tu peux commencer. D'accord. Ça veut dire que sa potion magique fonctionne. Oui, mais là, on n'a plus de potion, j'ai tout bu. Alors, on peut pas faire fortune avec ça. Onalro peut te sortir de là, faut lui avouer. Elixir. Dommage que j'ai tout bu. Hein. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la berlue ou quoi? Ben voilà, il va prévenir les autres. Dépêchons-nous de les rejoindre. Il faut pas qu'il pense que je me cache. Si j'avais pas tout bu, on aurait notre trésor. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai vu. J'ai vu un fantôme là-bas avec Tin. C'était celui de XL. Il n'avait plus que ses vêtements. Mais c'est pas un fantôme, il est devenu invisible grâce à ma découverte. Eh ben, une souris invisible, c'est un fantôme. Maman, maman, j'ai peur. Ah, le voici. C'est lui qui a volé l'élixir qui rend invisible. Salut. C'est ça un fantôme, maman? Tu ne peux pas le dire, c'est toi le voleur. Voyons. Et qu'est-ce que tu fais? Je suis invisible, mais je suis bien là. Tu l'entends? Il est insolent. Il mérite une bonne correction et je m'en charge. Non, attendez, ne vous énervez pas. Sa mauvaise action sert mon expérience. Il est d'ailleurs bien puni, car je ne peux pas l'aider à redevenir visible. Non, c'est pas possible. Faites quelque chose. Tu ne m'as pas laissé le temps de finir mes recherches. Alors, tant pis pour toi. Ça t'apprendra à voler. Onalro est bien vengé. Gerdy, dégonfle ces idiots. Oui, mais... Je la veux. Je veux la formule de l'élixir qui fait voler les idiots. Seulement les idiots. La ferme. Tu vas retourner chez le hibou avec les singes. Et tu vas m'apporter cette formule, sinon tu auras affaire à mes crocs. Oui, j'y vais. Grand maître, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Quoi? Je veux dire que le hibou l'a peut-être caché hors de chez lui. Débrouille-toi.
C'est la dernière fois que je le répète. Je veux cette formule. Alors tu t'arranges pour me la procurer, sinon gare à toi. Je sais par les singes que le hibou a fait une autre découverte. Elle rend invisible. Oui, tu me l'as déjà dit, mais j'y croirai quand je le verrai. En attendant, va chercher ce que je t'ai dit. Je peux pas y aller tout seul. Serre-toi de ces singes. Ils sont bien trop gros. Obéis. J'ai tout vu. Il est devenu de toutes les couleurs et il a disparu. J'ai eu peur. Je te comprends. Oh, je le vois. Regardez. Oh, Naro s'est moqué de lui. C'était pour lui donner une leçon. Quoi donc? Oh, Ixal, je te vois, tu es visible. Et j'ai repris ma taille et je suis toujours aussi gros. Les punitions de Shere Khan sont diaboliques. On est de plus en plus haut et je cesse de me plaindre. J'ai plus de force dans les bras. Je me dégonfle. Je tiens. Aussi, ils sont venus chez moi et ils ont volé l'élixir de la légèreté. Toute ma vie, j'ai travaillé pour le bien de tous. Mais aujourd'hui, je me rends compte que mes découvertes peuvent être néfastes. Alors, je dois y remédier. Voilà. Je brûle la formule des élixirs d'invisibilité et de légèreté pour qu'elle ne tombe pas entre les pattes. Il reste accroché à l'arbre. Mal intentionné, tel que celui qui est là, accroché à une branche et qui doit se demander quel sort son maître lui réserve. Au revoir, mes amis. Le hibou s'est encore mérité l'admiration de tous ses amis. Quant à nos deux souris, elles sont déçues d'être passées à côté d'un trésor sans pouvoir en profiter. La hyène Kirdi, de son côté, est rongée par l'inquiétude. La jungle nous réserve d'autres surprises que nous découvrirons bientôt. Vive le soleil, vive la lune, vive la pluie, vive la brume, vive la vie, nous dix ensemble, vive la jungle et notre bande, tous les copains vivent ici, on se surprend, on se fait peur, on sourit, on fait la course, on se faufile partout et la nuit. Notre mère, c'est une autre maman, Arbor et notre papa, Simba et Pimo, tous nos amis sont là. Nous avons un docteur, un canari chanteur, un corbeau directeur, un crocodile nageur. À la balle joue le chien, il joue vraiment bien. Le serpent se faufile et les singes sautillent. Nos souris qui marchent, on dirait des stars. Le tigre les observe, les protège, il oublie sa colère de ne plus être roi.